C'est l'heure des présentations. Comment pourrais-je le savoir? Elle dit la vérité. Il donne jamais les codes aux internes. Allez, dis-moi qu'on en finisse. D'abord, je vais te faire souffrir. Enfin, moi, c'est top que je veux. À l'aide! Pitié! Y'a quelqu'un? Y'a personne! Aussi à la rue. Quoi? Il est invisible ou quoi? Je sais pas qui tu es, mais je te collerai quand même, hein, Bruno. J'arrive plus à te contrôler. J'ai l'impression que personne me prend au sérieux ici. Il faut se tenir prêt pour n'importe quoi. Jamais su se débrouiller seul. C'est même pas un bruit de la dernière victime de Batman. Oh, mais qui sera la prochaine? On a besoin d'aide par ici. On a blessé. Je t'avais dit de rester prudent, pas vrai? C'était une grenade. Qu'est-ce que... Par ici! Il est là! Je devrais aller voir les otages. Vous allez bien? En quoi ça te regarde? Vous avez failli mourir. Bon, c'est les risques du métier. Écoute, je sais pourquoi t'es là. Il est dans le panoptique. Et je crois qu'il t'attend. Son masque, son sérieux, son caractère chagrin. J'espère que Batman vient me serrer la main. Vous voyez ce que je vois? Tuez-le! Nous orages. Ouais. Faites-lui la peau. On retrouvera jamais ton corps. Être affaire de porte. Apparemment, le Joker a peur de moi. Il ne veut pas que je sorte. Et c'est pas pour rien. Je déteste qu'on me fasse perdre mon temps. Tu aurais dû savoir qu'essayer de me tuer était une perte de temps. Tu n'as plus à t'en faire pour ça, de toute façon. À moins qu'on me repropose 50 millions. Je ne m'en faisais pas. Libère-le! Je te comprends. Tu as eu l'occasion de me laisser mourir et tu n'en as pas profité. Je suis prêt à parier que tu le regrettes maintenant. J'ai tué énormément de monde. J'ai mis toute la ville à genoux. J'ai anéanti les forces de police et ce n'est même pas encore l'heure d'ouvrir les cadeaux. La ferme! Allons-y. C'est bon, d'accord. Bien. Ce que notre ami Bane tient dans la main, c'est un moniteur cardiaque. Une fois activé, tous les battements de son petit cœur vide chargeront la batterie de cette chaise électrique. Et une fois chargé à fond... Donc, soit tu tues Bane... Non, je ne le tuerai pas. Tu le feras. Tu m'affronteras de toutes tes forces, ou tu mourras. Quelqu'un est sur le point de mourir. Toi, moi, ou le clown. Le choix de l'identité de la victime est entre tes mains. Un homme avec du cœur serait chez lui. A pleuré son vieux serviteur et fidèle compagnon. Et pourtant, tu es là. C'est dur que dans la cuisine d'un fan. Toi qu'il faut dire ça. Seigneur. Attention Jim, quand cette chaise démarre, elle balance 2000 volts, ça vous tuerait. Inutile de... Jim. Assieds-toi mon grand, on va griller ensemble comme deux tartines de pain au petit-déj. C'est bon, je charge à 250. J'ai un coup. Puis, je ferai repartir ton cœur. Et je te tuerai encore. En espérant que tu trouves dans la mort la paix que tu n'avais pas vivant. Je ne cherche pas la paix. Je peux utiliser des gros électriques pour arrêter temporairement le cœur. C'est mon seul espoir. La partie est finie, Joker. Libère le capitaine Gordon. Ouais, lâche ton flingue, cinglé. Mais moi, je vais pas te lâcher. Gordon! Ça, c'est l'esprit de Noël. Bon, j'adorerais rester pour célébrer ta victoire, mais j'ai des chaussettes à remplir, du gui à suspendre et environ 15 gratte-ciel à faire sauter avant l'aube. Ciao! Heureusement que vous aviez un gilet. Il a pris mon arme! Gordon, Joseph, j'ai besoin de vous pour arrêter le Joker. Besoin de nous? Mais c'est vous, le grand justicier. Ou est-ce qu'une mort vous suffit pour ce soir? Bane est en arrêt cardio-pulmonaire. Je dois faire vite si je veux le ranimer avant qu'il soit trop tard. Alors, vous ne l'avez pas? Ce n'est pas ma façon de faire. Filez. Sur le TN1, le composé que j'ai trouvé dans le labo de Bane. Je vais aller me renseigner, monsieur. Maître Proust, si vous n'éliminez pas Bane dans les 10 minutes, le TN1 qui vient de s'injecter sera opérationnel et il vous éliminera en une seule attaque. Luc, la Gordon, tu reçois? Tout va bien? Harvey, j'ai besoin que tu sécurises toutes les sorties de Blackgate. Les échos, les forces de l'ombre comme tu veux. Joker ne doit pas s'enfuir. On s'en occupe. C'est Gordon dans le couloir de la mort. Je dois faire vite. Monsieur, vous n'avez que 10 minutes avant que le DN1 face et fait. Utilisez cette place électrifiée à votre avantage. Adieu. C'est fini, Alfred. J'ai vaincu Bane. Maître Bruce? Maître Bruce, vous allez bien? Merci de m'avoir aidé avec Bane. J'espère qu'il est bien sonné cette fois. Il est bouclé. On dirait bien que le TN1 qu'il a pris a endommagé sa mémoire. Définitivement. Ah. Cela veut-il dire qu'il ne divulguera pas votre identité? On dirait bien. Content de l'apprendre. Et le Joker? Il est toujours en fuite, mais pas pour longtemps. Ici le capitaine Gordon à la prison de Blackgate. Je demande l'évacuation immédiatement. On a tiré sur le directeur Joseph, je répète, le directeur Joseph est blessé. L'hélico des secours est en route. Arrivé dans 15 minutes. Dites-leur de foncer! Sniper. Où est Gordon? Regardez un peu qui veut se faire cogner. J'ai eu ma dose de toi pour la soirée. Ah non, je crois pas. Espèce de... Eh merde! Tu veux le Joker? Prends-le. Aidez-moi à protéger le directeur. Il va nous choper. Ah vous allez vous en tirer. Où est le Joker? Il est passé par cette porte. Elle mène à la chapelle. Merci. Oh, Batman! Ah, quelle soirée! Tu viens de tuer, mais tu remets déjà ça, hein? Bane est toujours en vie. Alors, tu vois, ça, c'est nul. Tout ça, toute cette rage! Ou pour moi. Ça n'arrive pas à entrer dans ton crâne vide, hein? Si on existe, c'est grâce à eux. Abandonne. Tu as perdu. Tu aimes bien les sensations. C'est vital pour moi. Allez, Batou, frappe-moi jusqu'à ce que tes poings saignent. Pourquoi abandonner? Tu sais qu'il n'y a qu'un seul moyen de m'arrêter. N'importe lequel de mes hommes l'aurait buté. Cette ville mérite beaucoup mieux que ça. Vous savez, ma fille pense que vous êtes un héros. Malgré tout, je dois vous arrêter. Gordon, réponds! Où est-ce que tu es? Je suis dans la chapelle. On tient le Joker. J'en reviens pas. Tu l'as eu? Et comment t'as fait ça? On m'a aidé. J'arrête pas de me demander pourquoi je l'ai pas arrêté. Et maintenant, je sais que si j'ai fait ça, c'est uniquement à cause de toi. Parce que toi, tu crois en lui. J'en sais rien. Ils m'ont mis à la tête d'un service bourré de flics véreux. Et je ne peux pas les changer. Pas plus que je ne peux changer cette sale ville. En tout cas, c'est ce que je croyais avant. Il a arrêté son cœur. Ça c'est marrant. Elle est bonne, Batou. Je crois qu'on va bien s'amuser. Mais peut-être que je peux lui donner une lueur d'espoir. Peut-être que lui, il peut lui donner une lueur d'espoir. ouais. Quoi dire? Très belle fin, moi j'ai bien aimé. J'aime bien là, cette petite ambiance là, Noël et tout, avec la musique. Franchement, j'ai plutôt aimé, voilà, comme sur la fin, sur les dernières heures de jeu, je me suis un petit peu... comment dire... Oh. T'as une cellule. Il y a encore quelque chose? D'accord, il chante. On va laisser le Joker chanter alors. J'étais en train de vous dire, ouais, comme sur les dernières heures, je trouvais ça un petit peu... pas lourd, mais c'est vrai que le côté genre... je pose des bombes, j'ouvre des murs, je fais des trucs et tout ça. À la fin, ça m'a un petit peu fatigué. Je suis vraiment désolé, sur la dernière partie, j'ai pas parlé. Donc j'ai décidé de couper la vidéo en deux parties. Parce que ça faisait trop long, je croyais que... j'allais débarquer, prendre le Joker, c'était terminé. En fait, il s'avère que j'ai encore rebattu Bane, j'ai encore eu des gardes, et aussi. D'ailleurs, en passant, j'ai fait un combo de 70 ou un truc comme ça, j'étais choqué, j'ai pas calculé. Sinon, la fin, bah, franchement, bah, ça annonce encore une suite, comme d'habitude. Non, franchement, le jeu est kiffant. Il n'y a rien à dire. Là j'ai fini que la trame principale. Après bien sûr tout ce qui est quête secondaire. Après je vais pas vous mentir, avec tout ce qui sort et tout en ce moment, je pense peut-être faire une ou deux vidéos, ou même peut-être en live, qui sait, parce que je suis beaucoup en live. Il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé en plus en ce moment, vu que vous êtes en vacances et tout. Donc pourquoi pas essayer de le faire en live. Comme ça il n'y aura pas de spoil, on pourra jouer. Comme ça moi ça me fera avancer dans ma quête secondaire et tout. Pourquoi pas faire tout ça. Ou sinon le jeu lui-même, je vous avais déjà parlé dans la 9e vidéo je pense. Je crois, ouais, je crois que c'était dans la 9e vidéo. Oh, il s'énerve le Joker, wesh. Excusez-moi si je suis pas genre ému, ou genre émerveillé, ou genre content, ou là il est juste 5h34 du matin, j'ai pas trop envie de crier, j'ai pas envie de faire... voilà, je suis un petit peu fracassé là. Je kiffais, franchement, on va dire que sur la longitude, je sais pas si on dit ça comme ça, ouais, sur la longitude du jeu de A à Z, déjà il est très court, je trouve, pour moi, mon goût qui est très court, comme le 3/4 des jeux de nos jours, hein, je vous l'ai déjà dit. J'aurais aimé voir encore plus. Ma grosse déception, je vous l'ai dit dans la vidéo 9, c'est qu'on nous propose 8 assassins, et dedans on tue des personnes qui font partie de ces assassins, mais il manque Shiva, il manque Deadshot. C'est des persos que je sais pas, ils ont disparu du jeu, j'ai pas compris, on les a pas vus une seule seconde, mis à part dans le trailer au début, dans la présentation des assassins. Voilà, le côté un petit peu linéaire, vous savez que ça m'a un petit peu refroidi vers le milieu du jeu, mais à la fin, la petite prison et tout ça avec tous les ennemis, ça a été vraiment chaud. Dr. Snyder, commençons par vous. Hop. Quel est votre avis? Eh bien Jack, c'est une comédie. C'est la chute ultime du système judiciaire. Un justicier qui nettoie les rues après de nombreux morts et attentats? Mais qu'est-il donc arrivé à nos forces de police? Et qu'en est-il de James Gordon? On ne peut pas dire qu'il est brillé ce soir. Attendez une minute, Dean. Je ne suis pas, comme vous le disiez, un défenseur du GCPD ni du capitaine Gordon. La débâcle de ce soir met en doute son inefficacité. Mais je ne vois pas comment les forces de police d'une municipalité pourraient faire un meilleur travail contre des criminels tels que ce Joker ou les tueurs qu'il a fait venir en ville. Franchement, ces types sont dangereux. Nous n'avons jamais vu un truc pareil. Alors, à mon avis, c'est pas la police de Gotham qu'il faut remettre en question, mais l'état de notre pays. Un pays dans lequel les soins psychologiques et le système éducatif sont tellement ruinés qu'ils engendrent des criminels de ce type. Vous soulevez un point intéressant, Hank, mais je me demande ce qu'on fera ensuite. Non, ce n'est pas un point intéressant. Ce sont des salades. Ils ont tous tort. Le problème n'est pas la police ou Batman. Ce n'est pas de l'état de notre nation qui produirait de nouveaux criminels fous dangereux qu'il faut parler. C'est de la chute d'une seule et même institution. Une institution qui, à mon avis, représente la plus grande menace pour Gotham et ses habitants. C'est une bombe à retardement. Et si le chaos de ce soir nous a appris quelque chose, c'est que Blackgate n'est pas l'endroit adapté pour accueillir nos plus dangereux criminels. Pas une, mais 2 évasions en une seule nuit. Tous les drames de ce soir auraient pu être évités si Gotham avait un établissement de soins pour ses détenus les plus dangereux. Un endroit à la sécurité inviolable, où les hommes les plus violents pourraient être isolés, réinsérés et soignés pour leur maladie, un endroit comme l'asile d'Arkham. Et après ce qui s'est passé ce soir, je promets aux habitants de Gotham que je travaillerai sans relâche. J'irai voir le conseil municipal, et même le gouverneur s'il le faut, pour faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rouvrir l'asile d'Arkham. Ainsi, nous pourrons dormir sur nos deux oreilles. Il fallait s'y attendre. Quincy Sharp n'impute pas les événements de ce soir à Batman ou au Joker, mais à la prison de Blackgate. Et il demande la réouverture de l'asile d'Arkham. Nous revenons avec d'autres déclarations de M. Sharp et de nos autres invités. L'heure de Jack Ryder continue après ce message. Donc voilà qui suit bien après pour Arkham Asylum et Arkham City. Donc à chaud, je vais dire que le côté que j'ai vraiment kiffé sur le jeu, c'est Batman à ses débuts. J'aime bien le côté genre wow, c'est une légende et tout ça, il n'existe pas. Ou... Et d'un coup les mecs ils débarquent, ils sont juste choqués. Le côté aussi énervé du personnage, je trouvais qu'il avait vraiment un côté très très hargneux, un côté un petit peu... presque fou des fois, enfoncé tête baissée. Heureusement que Alfred est toujours là derrière. Oh, la petite image avec toute l'équipe, pas mal. Warner Bros Game Montréal, je pense. Et non, franchement, il y a des points positifs comme des points négatifs. Après, peut-être avec du recul, je penserai peut-être d'autres choses et tout. Mais c'est vrai que là, chaud à 5h38 du matin, moi, ce que j'en ai pensé sur le jeu, c'est que c'est un bon jeu. Je vous le conseille si vous aimez bien Batman. Après, si vous êtes vraiment des fans, je sais pas si cette licence ou si ce Arkham Origins vous plaira vraiment, tout est reposé encore une fois sur le Joker, encore une fois. Donc ça aurait été bien qu'on le voie à ses débuts. Moi j'aimerais bien voir pourquoi le Joker est devenu aussi fou, pourquoi si, pourquoi ça, même si on le sait, mais genre voir la transformation, le voir plus jeune et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même Batman à ses débuts, genre qui endosse la cape et tout. Voilà, c'est plus le côté comme ça. Moi je pensais qu'Origins ça allait être vraiment les entrailles, tout ça. Après, je sais pas trop. En tout cas, j'ai kiffé faire ce jeu, même si je vais pas vous mentir sur les deux dernières parties avant le final, j'étais un petit peu... je me languissais que ça se termine dans le sens où... ouais, ça m'avait saoulé un petit peu, mais j'ai repris goût vers la fin. En fait, vous savez que je suis une personne qui enchaîne les jeux, j'enchaîne. Quand je commence un jeu, là je l'ai fini en 2 jours. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça. Après, il y en a, ils vont me dire t'es un fou, t'es une machine. C'est pas question de machine ou quoi que ce soit, c'est juste que quand je suis dans quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Parce qu'après, j'ai peur que si je le lâche pendant 2-3 jours, j'ai plus envie d'y jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je pense que si je me serais arrêté à la partie 7, que ça commençait à me saouler, que je mourrais comme ça, je suis mort 2-3 fois comme un con, avec des soldats dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si j'aurais arrêté à ce moment-là, ça m'aurait dégoûté du jeu, je l'aurais même pas terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'aurais attendu 3 jours, c'est pour ça que j'aime bien enchaîner les jeux et tout ça. Donc écoutez, on va se laisser, j'ai beaucoup blablaté encore, je me rattrape pour toute la vidéo que j'ai pas parlé. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce let's play, ce playthrough, ce wallthrough, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, cette aventure sur Batman Arkham Origins à mes côtés. J'espère que vous me suivrez aussi et vous continuerez à vous abonner, à toujours regarder mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. On va essayer de faire un objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année, je pense que ça va être très dur, mais bon, qui sait, peut-être qu'on y arrivera. En tout cas les 7000 ça fait grave plaisir, merci encore de regarder mes vidéos, de les liker, de les partager, vous êtes franchement au top les oiseaux, ça fait plaisir. Là on va se retrouver très prochainement pour Assassin's Creed Black Flag, si je dis pas de bêtises, ouais, Black Flag, voilà, donc sur PS3 cette fois-ci, on se retrouvera sur PS3, hop, lead environnement, Will Smith, d'accord, bref, d'accord, bon, mais écoutez les oiseaux, moi je vous dis à très bientôt, c'était Parano, allez, prenez soin de vous, peace. Ouais, pour eux, tout le monde, ben je voulais faire juste ce petit message, cette petite parenthèse, vu que j'ai fini le jeu hier soir, et que cette fin en fait, bon lors du rendu j'ai fait le petit montage et tout ça, et que j'ai passé toute l'après-midi en live en fait, pour faire toutes les missions secondaires sur le jeu, je tenais à faire à remettre 2-3 petits points en place. En fait, je me rends compte que je parlais de Shiva et de Deadshot, il s'avère qu'en fait ces deux personnes font partie des missions secondaires. En fait, ces boss sont tuables lors des missions secondaires. J'ai tout fait sur Twitch TV, je vais essayer de les mettre sur YouTube, mais sinon vous avez toute la rediffusion de mon live, je crois qu'il dure à peu près 5 heures sur Twitch TV, donc je vous inviterai à aller voir si vous voulez l'émission secondaire de l'intégrale de Batman Arkham Origins sur Twitch. Je vais pas, voilà, je vais être bref, c'était juste pour vous dire ça, parce que c'est vrai que j'ai parlé, j'ai dit plein de choses et tout, mais je voulais juste mettre ça au clair. Voilà, ben, prenez soin de vous, encore merci d'avoir regardé cette série, je vous dis à très très bientôt sur AC4 que je suis en train de commencer, c'est une dinguerie. Allez, à bientôt les oiseaux, peace. Je savais que tu viendrais, tôt ou tard. Qu'est-ce qui se passe si je ne signe pas? Tu pourris ici ou tu travailles pour moi?